départ ce matin, je suis parti de Briançon. Je suis monté au col de Mont-Genèvre, juste au-dessus. Après j'ai enchaîné avec le col de l'Échelle, qui était vraiment magnifique, très sauvage, que je connaissais pas. Et là maintenant on est à Suse, en Italie, avant d'attaquer maintenant le Mont-Cenis, ça va être un autre morceau. Là, ce matin je suis parti avec un quart ou un tiers de batterie. Ça a bien rechargé du temps de midi. Je suis plein quasiment, ouais. Donc ça perd. On est en bas du col, donc on va pouvoir attaquer ça. Toujours les problèmes de chauffe. Donc je mets à exécution les conseils de Christophe. L'idée c'est d'augmenter la conductivité thermique du moteur avec une serviette humide pour que ça dissipe mieux la chaleur du moteur. Je monte à 20 à 25, mais c'est pas le plus raide. La stratégie c'est de monter à au moins 20 km/h pour pas chauffer dans la montée. On va voir. Quelques doutes au départ avec un arrêt forcé pour surchauffe. Et puis derrière j'ai réussi à tirer jusqu'en haut, donc pas mécontent de cette montée. Plein watt, hein. Plein watt. Bon, heureusement avec la journée qu'on a eue, j'ai pu partir d'en bas avec les batteries pleines, refaire l'appoint quand j'ai dû m'arrêter. Et donc après je savais que la fin était en haut du col. Après il ne reste plus qu'à descendre sur Valsenis, donc j'ai pu y aller à fond et éviter la surchauffe, une nouvelle surchauffe.